Ala, lève-toi, va chercher de l'eau. Hé, c'est quoi ce Ala, Ala? C'est ta belle-sœur. Belle-sœur aînée. Donc, dois-je t'appeler mère alors? N'attends rien de tel de ma part. Hé, pourquoi lui demandes-tu des choses de manière irrespectueuse? Elle est plus âgée que toi. Montrez du respect. Respect? Et la sienne? Avez-vous vu son visage? Maintenant, je la respecterai. Salutations. 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 Hein? Salutations? Eh. Salut Rumi. Ce qui lui est arrivé? Eh. Tu sais qu'elle se met en colère sans raison. Dis-moi ça. Comment se fait-il que tu sois ici à cette heure-là? Moyen. C'est ma maison, mon canapé, ma grand-mère et ma femme. Je peux venir quand je veux. Oh oui. Tout appartient à mon Hamza, mon adorable enfant. Et pourquoi es-tu assis ici comme ça? Votre mari est à la maison. Il fait trop chaud. Tu devrais lui demander de la nourriture ou de l'eau. Dois-je vous apporter à manger? Oui, je suis affamé. Je sais que ce sont des excuses d'hommes pour rentrer bientôt à la maison. Ce n'est pas comme sa grand-mère. J'avais 2 heures de pause alors je suis venu. Je vais partir. Et mon enfant, pourquoi ça me dérangerait? Allez vous reposer. Que Dieu vous donne plus de succès. Je vais. Je ne peux pas voir maman. Tu la connais. Elle fait ce qu'elle veut. Elle va où elle veut et ne nous informe pas. Elle est dehors depuis 2 ou 3 heures. 2 ou 3 heures? Belle grand-mère. Je vais à l'étage alors. Bien sûr. Je vais t'aller vérifier.